Бонсуар, тут Монда. Много се радвам, че пред тази голяма аудитория ще мога да ви покажа този така впечатляващ метод, в който можете да сбъдвате мечтите си. Je suis très en joie de pouvoir présenter cette méthode impressionnante devant une telle auditoire. Et c'est une méthode à travers laquelle vous pouvez réaliser vos souhaits et vos rêves. Вече разбрахте, че аз съм инструктор по нейрографика. Vous avez compris que je suis un instructeur de neurographie. Но аз съм и художник по образование. Mais à la fois, je suis peintre. Още няколко думи за себе си да кажа. Имам три прекрасни деца. Encore quelques mots sur moi-même. J'ai trois enfants absolument merveilleux. Преподавател съм в Института по психология на творчеството в България. Je suis enseignant dans l'Institut de psychologie de la créativité en Bulgarie. От 5 години рисувам нейрографика, а от 3 години съм инструктор по този метод. Je dessine la neurographie depuis 5 ans et depuis 3 ans, je suis devenue une enseignante, elle dit instructeur en fait de cette méthode. Аз съм педагог, занимавам се и с деца. Je suis pédagogue, j'enseigne aussi aux enfants. И съм методист и имам няколко учебника в нашата образователна система. Et j'ai créé quelques manuels pour l'éducation bulgare. Donc, elle a mis dans les manuels, en fait, la méthodologie de dessin. Но в последните години най-много ме вълнува това, че мога да науча много хора как да управляват живота си с тези рисунки. Mais ces dernières années, ce qui m'intéresse vraiment, c'est que cette façon d'apprendre aux gens de réguler, de maîtriser et puis de diriger leur propre vie à travers le dessin. Може би вече се досещате, в самото име е обяснено какъв е този метод. Déjà dans le nom neurographie, vous pouvez trouver le sens en fait de cette méthode. Първата част е нейро. Това са нашия мозък и нашите невронни връзки. La première partie de ce mot, qui est neuro, fait référence à notre cerveau et aux connexions neuronales. А втората част е графика. Това е защото ние с прости графични изображения ще създаваме нови невронни връзки. Et la deuxième partie, c'est graphica. Ça veut dire que, à travers des lignes graphiques simples, nous allons créer des nouvelles connexions. En fait, on va agir sur les connexions. Хубавото на този метод е, че всеки може да рисува нейрографика. Ce qui est très super avec cette méthode, c'est que toute personne peut dessiner une neurographie. Стигате да имате инструктор, който да ви води стъпка по стъпка в процеса. Vous avez seulement besoin d'un instructeur qui va vous mener, qui va vous guider pas à pas dans cette démarche. И сега всичко това може да се случи с вас. Аз ще ви водя и вие ще усетите върху себе си този метод. Et maintenant, vous pouvez vivre tout ça, donc je vais vous guider et vous allez ressentir qu'est-ce que ça fait en vous, cette méthode. Единствено трябва да си набавите няколко маркера. Vous avez besoin de quelques feutres, Най-обикновени цветни, моля ви. des crayons de couleur tout à fait ordinaire И бял лист хартия. et une feuille blanche. Аз ще обърна вече камерата, защото обичам едновременно да ви представям метода и да ви показвам. Donc, je vais tourner la caméra afin que vous puissiez voir ce que je dessine, parce que j'aime bien expliquer, mais que vous puissiez aussi voir ce qu'elle pose en fait sur la feuille. Ето това са нейрографични рисунки. Ce que vous voyez sur mon écran, ce sont des scènes neurographiques. Само деси имам чувството, виждам твой екран на голямо, дали хората виждат моя екран на голямо? Да. Добре, чудесно. Ето това е едни от първите ми нейрографични рисунки. Ce dessin, c'est un de mes tout premiers dessins neurographiques. Нейрографиката е метод, в който вие можете да управлявате реалността си.
La neurographie, c'est une méthode à travers laquelle vous pouvez diriger votre réalité. Откакто рисувам нейрографика, много неща се промениха в моя живот. Depuis que j'ai commencé à dessiner la neurographie, beaucoup de choses dans ma vie sont changées. И това е една от рисунките, Changé. която аз много обичам, с която си пожелах да имам повече почивки през лятото. Et ce dessin-là, je l'aime beaucoup et il représente mon souhait d'avoir plus de vacances pendant l'été. Тогава успявах да си позволя само една почивка през лятото. Parce qu'à l'époque, je pouvais me permettre de me reposer juste une seule fois pendant l'été. А сега си позволявам 7. Alors que maintenant, j'ai 7 pauses comme ça, tout au long de l'été. Ето следващата рисунка, в която трябваше да разреши един много сериозен за мен проблем. Alors, ce dessin, le suivant, représente un problème très important à résoudre que j'avais à l'époque. Който аз разделих на три части, три важни части. Et donc, j'avais divisé ce problème important en trois parties principales. Проблема не изглеждаше никак добре, даже беше много натоварващ и неприятен за мене. Ce problème n'était pas facile du tout, au contraire, c'était quelque chose qui me chargeait, qui me mettait sous une grande tension. Но с тази рисунка аз успях всичко, което изглеждаше навън, на пръв поглед неприятно за мене, да го превърна в моя полза. Mais à travers ce dessin, j'ai réussi à transformer toutes ces choses-là qui étaient à premier abord très désagréables pour moi, donc je les transformais en quelque chose de beau et de gérable et d'agréable. А това е нейрографика, която рисувах, за да мога да организирам първите си курсове по нейрографика. Et ce troisième dessin, il était destiné à la réalisation de mon désir de pouvoir organiser mes premiers séminaires de neurographie. Donc c'était l'intention en fait du dessin. И вече имам платформа с над 1000 курсиста. Et aujourd'hui, j'ai une plateforme sur Internet où j'ai plus de 1000 élèves. Всяка нейрографична рисунка има тема. Chaque dessin neurographique à un thème. Ние никога не рисуваме просто за да рисуваме. Nous ne dessinons jamais simplement pour dessiner. Когато нямаме тема, то това не е нейрографика. Quand nous n'avons pas un cible en termes de thème et nous dessinons, ce n'est pas une vraie neurographie. Затова вие докато показвам тези рисунки, си мислете на каква тема днес ще рисувате. Donc, pour cela, le temps que je montre tous ces dessins, déjà définissez sur quel sujet, sur quel thème vous allez dessiner aujourd'hui. Ето това е нейрографична рисунка, с която с лекота направих ремонт на моята къща. Alors, ce dessin-là que vous voyez, c'est un dessin neurographique qui m'a aidé à faire les travaux généraux à la maison avec beaucoup de légèreté. След като виждах, че няма да мога да отида на своята почивка, трябваше да остана, за да стане този ремонт. C'était des travaux en fait que je ne pouvais pas remettre plus tard et donc je ne pouvais pas partir en vacances. Нещата в нейрографиката се случват по много необикновен начин. Et en fait, les choses en fait qui surviennent dans la neurographie se passent d'une façon très particulière. Просто моята дъщеря дойде и каза: мамо, тръгвайте на почивка, аз ще те заместя. А това беше, не съм го поискала дори. Et donc, moi j'avais dessiné le problème, mais sans avoir quelque chose de concret dans la tête en termes de solution. Et puis d'un coup, il y a ma fille qui est venue et qui m'a dit, pars en vacances, je vais rester à la maison le temps que les gens font les travaux, alors que je n'avais pas demandé. В тази нейрографика аз преодолявах страха си да излеза пред камера. Et sur ce dessin-là, ce neurographique, il représente mon dépassement par rapport à la peur que j'avais de me mettre devant une caméra. Et не беше единствена, няколко рисунки трябваше да нарисувам. Et je ne me suis pas passé de seulement avec... en fait, je n'ai pas solutionné juste avec un dessin. Il fallait que je dessine plusieurs sur ce même thème. А тази нейрографика беше по поръчка на един мой клиент.
Et celle-là que vous voyez, c'était une. Il y a un de mes clients, en fait, me l'avait commandé. който ме помоли за помощ, защото беше изпаднал в тежка депресия. C'est quelqu'un, en fait, qui m'a demandé de l'aider parce qu'il était en dépression assez sévère. И тази техника я нарекох веришка на благодарността, която да ни извади от черната дупка. Et cette approche, cette technique spécifique ici, je l'ai nommée le fil de la gratitude. En fait, la chaîne, elle dit, le fil qui m'a aidé de me sortir du trou noir grâce à la gratitude. И в последствие много мои курсисти обичат този алгоритъм, защото им помага в тежки ситуации. Et par la suite, beaucoup de mes stagiaires ont beaucoup utilisé et ont vraiment aimé cet algorithme parce qu'il les aidait de s'en sortir des trous noirs dans lesquels ils étaient encastrés. А с тази нейрографична рисунка аз отработвах един мой детски проблем, който ме тревожеше Et в моето sur детство. ce dessin-là que vous voyez, il était dessiné sur le sujet d'un problème que j'avais depuis l'enfance et c'était quelque chose qui me mettait dans l'anxiété. С тази привличах своите клиенти. Et avec Правих celle-là, магнит. il était destiné à attirer мes futurs clients exactement comme le fait un aimant. А това е нейрографика, която най-много хора обичат да рисуват. Et cette neurographie, cet algorithme, c'est un des préférés des gens. Тя е свързана с времето, което ни достига, за да живеем щастливо. Parce qu'il est lié avec le temps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui manquent du temps et on arrive à trouver le temps nécessaire grâce à ce dessin. А това е нейрографика, който може би някои от вас вече познават. Et cet algorithme, cette neurographie, certains parmi vous connaissent déjà. А това е нейрографика на тема да привлечеме в живота си щастливи пари. Le thème de ce dessin neurographique, c'était attirer de l'argent heureux dans ma vie. И се радвам, че имах възможността и на вас във Франция да ви покажа и всеки, който желая, може отново да си закупи този въркшоп. Et je suis très heureuse qu'on a pu faire ça avec le public français. Ne soyez pas triste de l'avoir raté, ça existe toujours en replay. Donc vous pouvez le faire aussi comme ça en différé si vous en avez besoin. А и още един въркшоп имаме, който имате възможност да си планирате успешна година. En effet, nous avons fait jusqu'à maintenant deux ateliers comme ça. Donc, celui au sujet de l'argent heureux et le deuxième qu'on avait fait il y a quelques semaines, c'était sur comment planifier une année à succès grâce à la neurographie. А това е нейрографика на следващата ни среща с вас, в която ще рисуваме щастливи взаимоотношения. Et le dessin que vous voyez maintenant représente l'algorithme qu'on va dessiner ce mois-ci, au mois de février, et qui représente la création des relations heureuses. Ето, Relation avec les autres, peu importe à quel niveau. аз имам няколко рисунки на тази тема. Et j'ai plusieurs dessins sur ce même sujet. И така, сега смятам, че вече може би всички имате идея на каква тема днес искате малко да пробваме, тъй като това няма да бъде цяла завършена нейрографична рисунка, да пробвате върху вас как ще се отрази този метод. Alors, pendant que je parlais, je suis certain que vous avez déjà choisi le thème sur lequel vous allez dessiner aujourd'hui et tester un peu l'effet de ce dessin neurographique. Bien évidemment, c'est un séminaire qui n'est pas absolument complet, mais qui vous donnera la possibilité déjà d'éprouver, de tester, de comprendre et puis de ressentir sur vous ce que ça fait. Един от най-бързите ефекти на нейрографиката, който вие веднага ще усетите, Un des effets les plus rapides de la neurographie que vous allez ressentir très rapidement, той успокоява вашата нервна система.
Cette façon de dessiner tranquillise le système nerveux, calme le système nerveux. И как ще усетите това, ще почнете да се прозявате. Et cela va se voir et ressentir parce que vous aurez envie de bâiller. Но нека да започнем. Mais allons-y, on va commencer après В les explications. нейрографиката имаме няколко букви, с които работим. Dans la neurographie, on a un alphabet qui est composé de quelques lettres, entre guillemets, avec lesquelles on va travailler. Първата буква се нарича нейролиния или още я наричаме на името на автора Павел Пискаров, линията на Пискаров. La première lettre ou le premier mode d'expression est appelé la neuroligne. On l'appelle aussi la ligne de Pavel Piskarev, c'est le créateur en fait de la méthode. И това е линия, която се опитваме да прилича като пътя на реката. Et cette ligne-là, vous voyez bien, on essaye de la faire telle que la ligne qui dessine une rivière qui s'écoule. Искаме да се извива плавно и елегантно по най-малкото съпротивление. Nous avons envie, en dessinant cette ligne, que cette ligne s'écoule et qu'il se courbe en rencontrant la moindre résistance, telle que l'eau. Сега ще ви покажа какво не е нейролиния. Alors, ça c'est la neuroligne, et maintenant je vous montre ce que n'est pas la neuroligne. Правата линия не е нейролиния. Une ligne tout droite comme ça, ce n'est pas une neuroligne. Ето такава постоянен синусоид също не е нейролиния. Une ligne comme ça qui est régulière, une sinusoïde absolument régulière, ce n'est pas non plus une neuroligne. И това, което най-често правите, ето такъв синусоид, който по-изправен, но вижте колко много повторения има в него. Et la plupart du temps, il y a des gens en fait qui vont faire une ligne comme ça, hein, avec les petites vaguelettes, mais qui sont aussi régulières comme ça. Vous voyez, c'est répétitif. Хубавото в нейрографиката е, че в началото, ако не освоявате все още, не сте освоили още как да рисувате нейролиния, има начин, който след малко ще ви го покажа, в който вие ще хармонизирате вашата линия, каквато идея да нарисувате в момента. Et même si vous n'avez pas encore l'habitude de créer régulièrement une neuroligne, tout à l'heure je vais vous faire voir une façon qui va vous aider à harmoniser la façon de la dessiner. И макар, че все още сте съвсем нови и начинаещи, вие ще имате отново възможност да усетите върху себе си първият ефект от този метод. Et même si la plupart parmi vous, pour vous, c'est la toute première fois que vous allez essayer de faire cela, vous allez ressentir l'effet de cette méthode. С нейролиния ние рисуваме нашите мисли. Grâce à travers la neuroligne, nous dessinons nos pensées. С нейролиния ние рисуваме нашата енергия. Avec les neurolignes, nous dessinons aussi notre énergie. С нейролиния ние рисуваме нашите действия. Nous dessinons aussi à travers cette ligne nos actions. И сега вече вярвам, че имате на идея на каква тема точно ще рисувате. Et donc, je pense que vous avez déjà défini le thème sur lequel vous allez dessiner, chacun pour soi. И както пишеме текст, само че сега искам да напишете вашето желание като една нейролиния, която да мине през листа. Exactement à la façon dont nous écrivons, quand on va écrire avec les paroles, vous allez créer cette neuroligne qui représente en fait votre sujet. Pareil, de gauche à droite, on va dessiner tout en pensant au thème sur lequel vous dessinez. Не се притеснявайте, ако не можете веднага да рисувате, за това има курсове. Il ne faut pas stresser si vous n'arrivez pas à faire ça tout de suite. C'est pour ça qu'il y a aussi des leçons, des cours, des stages. Но всички ще бъдете изненадани, макар че не сте минали все още курса, че накрая ще има една много красива рисунка пред вас, която вие сами сте нарисували. Mais vous allez être tous surpris, parce que même si vous n'avez pas suivi un cours complet ou un stage complet, à la fin vous aurez un très bon dessin neurographique que vous aurez créé. След като нарисувахте първата си мисъл, une fois que vous avez dessiné votre toute première pensée, qui est cette ligne,
Сега искам да продължите и да нарисувате още много мисли, които са свързани с това, което искате да ви се случи. Et maintenant, je voudrais que vous continuez à dessiner d'autres lignes, beaucoup d'autres lignes, encore des lignes qui sont encore des pensées autour de la chose que vous souhaitez qui vous arrive par Линията rapport au винаги thème. тръгва от единия край на листа и трябва да свършва до другия край на листа. La ligne débute toujours d'un côté en fait de la feuille et doit finir vers l'autre côté. Аз ще работя за взаимоотношения. Meglena va faire son dessin sur le thème des relations avec les autres. В момента имам един проблем с голямата ми дъщеря. En ce moment-là, j'ai un problème avec ma fille aînée. И първо, което нарисувах, беше какво искам да й кажа. Et la première chose que je dessinais représentait la chose que j'ai envie de lui dire. Ce que j'ai envie de lui dire. След това нарисувах линия какво искам да се случи. Ensuite, les lignes suivantes représentaient ce que je souhaite qui se passe ensuite. И така, всяка една линия е свързана с някоя моя мисъл с темата, която ви вълнува. Ainsi, chacune des lignes que je trace représente une pensée qui est en lien avec le thème et avec le résultat final que je souhaite. Но забележете, че всички линии се пресичат. Mais regardez, toutes ces lignes se croisent entre elles. И сега погледнете вашата рисунка и вижте, има ли някой от вас, който да е нарисувал линиите без да се пресичат? Et maintenant, regardez vos dessins et voyez, est-ce que quelqu'un parmi vous a dessiné des lignes qui ne se croisent pas, qui vont en parallèle comme ça, mais sans se croiser? Смята се, че нейрографиката е метод, в който нашето съзнание и нашето подсъзнание работят в екип. On dit que, on considère que dans la méthode neurographie, notre conscience et notre subconscience travaillent ensemble comme une équipe. И всичко, което се случва върху рисунката, вашето подсъзнание го прави неосъзнато, но ние като инструктори можем оттам да получим информация. Et tout ce qui se passe sur le dessin, c'est votre subconscient qui le fait de façon subconsciente, mais nous, comme instructeurs, on peut aussi avoir des informations à travers ces lignes et on va vous guider comment continuer ensuite. И ако вие не пресичате линиите, et si dans votre dessin, les lignes ne se croisent pas, това значи избягвате каквато и да е комуникация, за да разрешите проблема си. Cela représente le fait d'éviter l'évitement d'une communication quelconque qui vous aiderait à résoudre en fait cette problématique. Защото там, където се пресичат нашите мисли и нашите действия, може да възникнат конфликтни ситуации. Parce que aux endroits où se croisent nos pensées et nos agissements, ce sont en fait des points des conflits possibles. Но ние в този метод можем тези конфликтни ситуации да ги хармонизираме преди да се случат. Mais à travers la méthodologie de la neurographie, nous pouvons harmoniser les moments conflictuels avant qu'ils n'arrivent dans la vie. Затова смело, който до сега не е кръстосвал вашите линии, ги пресечете и сега ще ви кажа какво ще направим. Et pour cela, si jamais il y a certaines, comme Pascal qui nous a écrit ici, qui a des lignes qui ne se croisent pas, maintenant, crée d'autres qui les croisent, simplement en corrigeant cela. Следващата стъпка е да намерим едно място, където се пресичат най-много линии. Le pas suivant consiste à trouver le lieu sur le dessin où il y a le plus de lignes qui se sont croisées entre elles. Ето го comme une моето accumulation място. En fait des croisements. Да, ето го моето място. Прилича се едно се сплел, когато косата се сплита по този начин изглежда. Vous voyez là, il y a, là il y a l'endroit sur mon dessin où il y a ce croisement et ça ressemble aux nœuds qui se font parfois dans les cheveux. Vous savez quand on dort et puis après il y a des petits nœuds comme ça. И сега оградете това място с колкото искате голям кръг.
Et maintenant, encerclez cet endroit à travers un cercle avec la dimension que vous souhaitez. И тъй като сега работиме с нашето подсъзнание, ще му покажем, че тази най-конфликтна точка ние можем да я превърнем в нещо красиво. Или... Et comme nous travaillons avec notre subconscient, maintenant, à travers le dessin, nous allons dire à notre subconscient que ce point de conflit, on peut le transformer en quelque chose qui est bon. И сега следващата ви задача е всичко, което е вътре в кръга, навсякъде, където се пресичат и са създадени остри ъгълчета, да ги окръглиме. Et donc la tâche, le pas suivant consiste à l'intérieur en fait de ces rangs, vous voyez là où il y a les croisements, il y a tellement des angles aigus et nous, il va falloir qu'on les arrondisse comme elle le fait. Това го правиме, защото нашето подсъзнание приема всичко кръгло като нещо много хармонично. Et nous faisons, en fait, il faut arrondir les angles aigus parce que notre subconscient, pour lui, tout ce qui est arrondi, est égal à quelque chose qui est très harmonieux. Защото света, в който живееме, всичко кръгло наистина е безопасно и хармонично. Parce que dans le monde réel dans lequel on vit, tout ce qui est arrondi, est sans danger et a l'air harmonique. Защото нашата земя е кръгла. Parce que notre terre est ronde, Нашите клетки са кръгли. Nos cellules sont aussi rondes, Нашите атоми са кръгли. Les atomes aussi le sont. А всичко, което изглежда остро, Et tout ce qui a l'air aigu, qui possède en fait des angles aigus, на подсъзнателно ниво, ние го свързваме с нещо, което може да ни нарани. Au niveau subconscient, c'est perçu comme quelque chose qui pourrait nous blesser. И затова вижте в този мой кръг как изчезна вече остротата и тази бърканица, която беше по средата. Това Et vous оплитане. Voyez que comment quand j'arrondis, en fait, ce nœud a maintenant un autre aspect. Il a l'air plus rangé. Mais tout comme vopros, il y a une question. Quand on n'a pas de nœud, тя няма такъв много ярко изразен възел в картината. Тогава какво да прави? Question de Morgan. Да си избере място, където на нея смята, вътре усеща, че точно там трябва да хармонизира, че там има нещо, нужда да се хармонизира. Alors Morgan, par rapport à la question qu'on a, si on n'a pas des nœuds aussi visibles, alors il va falloir choisir sur le dessin un endroit où vous avez envie de dessiner ce cercle et que vous ressentez que c'est exactement cette partie du dessin qui a besoin d'être harmonisée. Donc choisissez comme ça, au ressenti. Може да прекара ръка и да усети повече енергия там. Vous pouvez par exemple passer votre main au-dessus du dessin, vous pouvez ressentir un endroit du dessin où il y a plus d'énergie, si vous ressentez comme ça. Или просто да затвори очи и да каже, ето тук е това място. Ou simplement, on peut aussi fermer les yeux et puis pointer avec la main en se disant, voilà, c'est cet endroit-là que j'ai envie d'entourer. Нашето подсъзнание разбира от абстрактни форми. Notre subconscient comprend le langage des formes abstraites. Наша задача беше първо да хармонизираме тази част. Alors, notre but était tout d'abord d'harmoniser cette partie-là qui est entourée. И сега продължаваме да хармонизираме всичко около нея. Et ensuite, on va continuer à harmoniser tous les angles aigus qu'on voit sur le dessin déjà à l'extérieur de ce cercle. Искам да покажа само някои често срещани грешки и погледнете във вашите Alors, не ги правите. Voilà, regardez, juste, elle va montrer quelques erreurs possibles que les gens font et voyez après si vous faites pas pareil. Когато окръгляте, буквално окръгляте, ето така. Il y a des gens, en fait, qui vont arrondir exactement comme ça, en dessinant un rond au croisement. И те стават като едни точки върху вашата рисунка. Et ça a l'air des gros points sur votre dessin. Това не е правилно, защото вместо 4 ъгълчета, те станаха вече 8.
Et ce n'est pas juste parce que si vous voyez les angles, au lieu de 4, maintenant vous avez 8 avec un rond comme ça. Но хубавото в този метод е, че винаги може да поправяме грешките си. Mais ce qui est bien dans cette méthode, que nous pouvons toujours corriger nos erreurs. И ето сега ще окръгля тези кръгчета и вече няма да изглеждат така. Et maintenant, je vais arrondir, si jamais j'ai eu des points comme ça, je peux soigneusement arrondir les angles et ils vont avoir un autre aspect. И те ще заприличат на синапсите в невронната мрежа. Et quand nous allons arrondir comme ça, ces lignes vont, les croisements vont ressembler aux synapses au niveau de notre réseau neuronal. Там, където се преразпределя енергията, когато нашите неврони се привличат. Et c'est l'endroit où l'énergie est répartie, quand les neurones sont attirés les uns vers les autres. И затова нашия метод се казва нейрографика. Pour cela, cette méthode est appelée neurographie. Защото нашата рисунка почва да прилича на невронна мрежа. Parce que notre dessin commence à ressembler au réseau neuronal. А и рисувайки и мислейки в тази посока, ние свързваме нови невронни връзки. Et quand nous avons ça en conscience, tout en dessinant, nous sommes en train de lier des nouvelles, en fait, de créer de nouvelles synapses. Колкото повече невронни връзки имаме свързани. Plus nous avons des connexions neuronales, толкова по-лесно намираме отговорите и знаеме как да разрешиме проблема си. Plus facilement nous trouvons les réponses que nous recherchons et nous savons ensuite comment résoudre le problème que nous sommes en train de dessiner. Нищо вълшебно няма в този метод. Il n'y a rien de mystérieux dans cette méthode. С този метод ние работиме с нашите огледални неврони. On sait, scientifiquement parlant, qu'à travers cette méthode, on est en train de travailler avec nos neurones miroirs. Но преди да ви обясня как ползваме огледалните неврони. Mais avant de vous expliquer comment nous utilisons ces neurones miroirs, искам да ви покажа също за още една често срещана грешка. Je voudrais vous montrer encore une des erreurs que les gens commettent souvent. Ето тук трябва да окръгля тези пресичащи се линии. Là où elle a montré avec son doigt, elle doit arrondir ces lignes qui se croisent. Et l'erreur consiste... Аз примахвам ъгълчетата, но толкова мъничко става. Là, par exemple, je arrondis en fait les angles, mais je les fais de façon si discrète et c'est si petit че почти не се забелязва. Qu'on voit presque pas que j'arrondis quelque chose. И това символизира все едно, вие толкова малко усилия полагате да хармонизирате тези възможни конфликтни ситуации. Et cela symbolise un peu le fait que vous allez mettre peu d'énergie pour harmoniser ces situations conflictuelles réelles ou possibles. И аз затова винаги казвам, бъдете смели в вашите действия, окръгляйте смело, за да се получи ето такава плътна, хубава връзка. Et pour cela, je donne toujours la consigne, soyez audacieux dans votre façon de dessiner et d'agir pour dessiner un lien qui est consistant, qui est fluide, qui est beau et qui est fort. И сега да ви разкажа за огледалните неврони. Et maintenant, je vais vous raconter un peu... donner des informations sur les neurones miroirs. Най-лесно обяснявам как работят огледалните неврони с един филм на ужасите. Ma façon habituelle d'expliquer le fonctionnement de neurones miroirs, c'est à travers l'exemple de quand on regarde un film d'horreur, par exemple. Когато гледате филм на ужасите, вашето съзнание много добре знае, че това не е реално и че това се случва само на екрана. Quand vous regardez un film d'horreur, votre conscience sait que ça c'est pas réel, c'est quelque chose qui se passe à travers l'écran. Но въпреки всичко, вие изживявате всичко това, притеснявате се какво ще се случи на героя.
Mais malgré tout, vous êtes en train de vivre cette histoire et puis vous êtes un peu anxieux de tout ce qui va arriver au protagoniste. Това е защото вашето подсъзнание не прави разлика между реалността и това, което се случва на екрана. Et ça, c'est parce que votre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui se passe au niveau de l'écran. Точно това свойство на гледалните неврони ние използваме в нейрографичното рисуване. Exactement, cette capacité, ce mode de fonctionnement des neurones miroirs, nous l'utilisons en fait dans le dessin neurographique. Ние видяхме как на този лист имаше безкрайно много пресичащи се и възможни конфликтни ситуации. Nous avons vu au tout début tous ces endroits où les lignes se croisaient avec et qui formaient en fait des angles aigus qui représentaient des situations conflictuelles possibles. Но променихме как изглежда нашата рисунка, сега много по-хармонична. Тя вече изглежда много по-хармонична. Mais quand nous avons arrondi les angles, le dessin commence à avoir un aspect beaucoup plus harmonieux. Ако имате някъде ъгълчета и зъбчета, ето сега ще направя едни такива. Si jamais dans votre dessin il y a des angles comme ça, mais pourquoi j'ai pas acheté que Dr. Dingova? Là, Ето, si vous avez ето. des lignes qui ressemblent à celle-là, hein, là où elle montre le doigt, Тази ще го направя с дебелия маркер, за да. je vais le faire même avec le feutre épais, comme ça vous pouvez voir. Vous voyez s'il y a des Ето, angles comme ça ова sur ще. une ligne, voilà Вижте qui est un колко peu е. plus, voilà. Колко е грозно. Vous voyez, c'est pas très beau. И прилича се едно кръща на някой. Et ça ressemble, on dirait quand je regarde le dessin, cette ligne-là ressemble à un cri quand je crie contre quelqu'un. Но сега ще го закръгли за обле навсякъде. Mais maintenant, je vais harmoniser la ligne elle-même. Je vais l'arrondir là où c'est aigu. И ще покажа на своето подсъзнание, че ето аз крещях до сега, но сега вече хармонизирам своите действия. Et je vais démontrer à mon subconscient que même si j'ai crié jusque maintenant, maintenant, actuellement, je suis en train d'harmoniser mes agissements. И ето вижте разликата между тази линия и тази, която преди малко беше същата. Ето Et това. voyez maintenant la différence entre cette ligne que je corrigeais et l'autre qui n'est pas encore corrigée, qui étaient les mêmes. Но сега и нея ще округля. Mais maintenant, je vais arrondir aussi cette deuxième ligne qui n'était pas Затова, ако имате и вие fluide. някои линии, които не ви харесват, Et pour cela, si vous avez sur votre dessin des lignes qui ne vous plaisent pas, се опитайте и тях да ги округлите така, че да изчезнат цялата острота от тях. essayez ces lignes-là de les arrondir aussi afin de faire disparaître tous les angles aigus, en fait toutes les courbes qui ne sont pas vraiment des courbes. И сега ми е интересно, има ли от вас хора, които вече почнат да ви се доспива? Et pour moi, c'est intéressant et je vous pose la question, est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui commencent à avoir sommeil, qui ont envie de dormir? Est-ce qu'il y en a? Има ли? Пишат ли? Ne pichotenez. Oui, Karine. Donc, Karine, oui. Oui, Peggy, deux fois oui. Dvechki, tu capichotes, da. Това е защото нервната система се успокоява, когато рисуваме нейрографика. Si on commence à avoir sommeil en faisant cela, c'est parce que le système nerveux se calme quand on est en train de dessiner et arrondir les angles. Но някой път не ни действа по този начин нейрографиката. Mais ce n'est pas à chaque fois que la neurographie fait cet effet sur nous. И затова следващото ми питане е, има ли хора между вас, които в момента изпитват дискомфорт? Et donc pour cela, ma deuxième question, c'est est-ce que parmi vous, il y a maintenant des gens pour lesquels qui éprouvent un discomfort quelque part en dessinant? На този етап на рисунката се случва това често. À cette étape-là du dessin neurographique, cela pourrait arriver relativement souvent. Oui, Christine, oui, le haut du dos, da, gornata chast na grba, tuka piše jedno momiče. Да.
И затова имаме много важно правило, че трябва абсолютно всичко да окръглите и тогава може да оставите рисунката. Et s'il y a un disconfort, la règle nous dit qu'il faut absolument tout arrondir et ce n'est seulement après qu'on peut laisser à côté le dessin. Сега ще Brûlerait обясня. l'estomac, et bien là, oui. Et Защо? là, tout comme stomach, Сега ще обясня защо се случва това. Je vais vous expliquer d'où vient ce type de disconfort. За нас това е добър знак. Pour nous, c'est un bon signe. Защото се е включил вътрешния контрольор. Parce que ça nous signale que votre contrôleur intérieur s'est activé. Вътрешният контрольор ни пази да не излизаме от зоната ни на комфорт. Cette forme de contrôle qu'on a à l'intérieur de nous nous garde de sortir de notre zone de confort. И Oui, в момента, в който усети, че нещо се променя вътре във вас, Et le contrôleur intérieur, au moment où il commence à ressentir que quelque chose à l'intérieur de vous est en train de commencer à changer, той се активира и се опитва да ви откаже да рисувате. Il s'active et essaye de vous faire laisser tomber le dessin. Затова, когато ние имаме дискомфорт, спазваме две неща. Първо е правилото да окръглиме навсякъде. Et pour cela, si nous éprouvons un disconfort, il y a deux règles. La première, c'est d'arrondir absolument partout les angles. И второто е, се радваме, че за нас това е знак, че е почнала някаква трансформация. Et la deuxième règle, c'est d'être content et en joie, parce que ça signifie que, il y a une transformation pour nous qui est commencée. Това е един от активите на нейрографиката. Et ça, c'est un des plus de la neurographie. Че дори и вие да нямате много дълбоки знания за този метод, как точно работи. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas bien la méthodologie, vous ne savez pas exactement comment ça marche. Той отново ви въздейства, ако спазвате стъпките, които автора на метода ни е дал. Cette façon de dessiner la méthode, en fait, est en train d'agir en vous si vous respectez les pas que l'auteur de ce système a mis en place pour nous. Тези стъпки се изучават в курсовете по нейрографика. Ces pas, ces étapes successives du dessin sont appris dans les cours, lors des cours de neurographie. А в уркшопите, които аз правя, аз ви води и аз следа да не пропуснете нито една стъпка. Et lors des activités, des webinaires, des workshops que Meglena anime, elle est en train, en fait, je parle de son nom, je suis moi celle qui veille en fait sur chacun de vos pas. Защото в курсовете ви учиме как вие сами да ползвате метода за себе си. C'est-à-dire qu'il y a les workshops où c'est elle qui nous mène, mais il y a des cours aussi où les gens apprennent comment ensuite utiliser seul à la maison les algorithmes appris. Сега ще ви покажа следващата стъпка. Ако някой все още не е окръглил всичко, разбрахте, че задължително трябва да окръглите абсолютно навсякъде. Et maintenant, je vais vous faire le pas suivant. J'espère que vous avez compris qu'il fallait absolument arrondir partout. И не се притеснявайте, че не работите с моето темпо. Et ne soyez pas gêné que vous n'êtes pas en train de travailler avec la vitesse avec laquelle je travaille moi. Смята се, че когато рисувате нейрографика, нищо случайно не се случва. On considère que quand quelqu'un dessine la neurographie, il n'y a rien qui se passe par hasard. И може би точно толкова време ви е нужно да създадете толкова невронни връзки, за да може да си помогнете на себе си. Et si vous dessinez plus lentement, ça veut dire que c'est le temps dont vous avez besoin pour créer exactement le bon nombre de connexions neuronales qui vous permettront à solutionner le problème. Но вие, докато окръгляте, ще може да чуете какви са правилата, които трябва да спазваме, когато окръгляме. Mais si vous continuez à arrondir, vous pouvez arrondir tout en écoutant quelles sont les règles du coloriage ensuite.
И правилото е да групирате две и повече от две форми с един и същи цвят. Alors, la règle nous dit que quand vous commencez à colorier avec une couleur, il faut colorier au moins deux formes voisines avec la même couleur. Le minima, c'est deux formes ensemble. Тези форми трябва да са една до друга. Et ces formes doivent avoir une frontière en fait commune. И ние казваме в този метод, че така включваме колективната енергия. Et dans la méthode de la neurographie, on va appeler ça, on dit qu'on va brancher comme ça l'énergie collective, qu'on va réunir des formes à travers la même couleur. Може да попитате, има ли значение какви цветове ползвате? Vous pourriez me demander, est-ce qu'il y a une signification, la couleur utilisée? Има значение, но това се изучава чак в третия курс по нейрографика. Oui, les couleurs ont une signification spécifique, mais ça, c'est l'objet du troisième cours, du cours 3, de niveau 3 de la neurographie. Сега на този етап ви препоръчваме да рисувате като децата. À cette étape-là où nous en sommes, je vous recommande de dessiner exactement comme le font les enfants. Да усещате кой цвят на вас ви харесва и с него да ползвате. De ressentir quelle est la couleur qui vous plaise et de voilà de prendre la prendre et puis colorier. Вашето подсъзнание със сигурност ще ви подаде най-правилните цветове. Votre subconscient, avec certitude, va vous suggérer les couleurs qui sont les plus justes pour vous en ce moment-là. В нейрографиката имаме 9 курса, в които изучаваме всички алгоритми. Dans la neurographie, il y a 9 marches qui représentent 9 cours dans lesquels on apprend tous les algorithmes. И аз се радвам, че вашите френски организатори вече организираме на френски да има първия курс, в който да изучите правилата и принципите. Et je suis vraiment joyeuse du fait que les organisateurs de français ont déjà mis en place le premier de ces cours lors duquel on peut commencer à apprendre pour soi les algorithmes. Това е за всеки, който иска сам да ползва метода за разрешаване на свои проблеми и казуси. Et un cours, les cours sont destinés à tous les gens qui voudraient utiliser la méthode seule, pas comme ça avec un guide, avec un enseignant, mais seul, pour ses propres buts et objectifs. Който иска аз да го водя през целия процес. Et s'il y a des gens qui ont envie d'être guidés tout au long de ce processus, може да посети нашите workshops. Vous pouvez visiter voilà, nos ateliers qui sont beaucoup plus brefs. В които работиме по точно определена тема. Et lors des ateliers, la différence en fait avec les cours, les ateliers, c'est qu'on va cibler un thème spécifique à cet atelier. Et la prochaine thème que nous allons avec vous. Et le thème suivant que nous allons dessiner au mois de février va concerner, on va dessiner les relations, les liens qu'on entretient avec les autres et qu'ils soient heureux. Mais tout qui me va pas, il y a une question, c'est un minimum de deux espaces contigus, coloriés de la même couleur, et combien au maximum, s'il vous plaît? Minimum de deux пространства, за едно мега с един цвят, колко максимално може? Колкото искаме. Alors, Lélie, autant que vous voulez, il n'y a pas de limite supérieure. Този уркшоп, който ще проведем след една седмица. На 14. Ами направо им го кажи, да. Alors, l'atelier que nous allons faire, tenez-vous bien, le 14 février. Може да работите за взаимоотношения между партньори. Pourrait être, on peut dessiner une relation heureuse qui peut être la relation entre deux partenaires.
както между лични, така и между бизнес партньори. Et ça peut être aussi les relations personnelles ou les personnes ou du travail ou peu importe. Mega prossima. Да. Carla nous demande la première case à colorier doit être dans le cercle. Oh là là, je n'ai pas fini mes ongles. Ne vous inquiétez pas. Pita dali първата форма, която цветява, трябва да тръгва от кръга и после вика, Леле, не съм си свършила още аглите. Не, няма правило откъде да почва първата форма. Alors Carla, il y a pas de règle quelle forme colorier en première. Vous coloriez celle que vous voulez. Et vous allez avoir le replay, donc tranquille, hein, vous pouvez refaire 1000 fois ce dessin que vous êtes en train de faire. Аз сега ви показвам един съвсем лек алгоритъм. Ce que nous sommes en train de faire, c'est un algorithme vraiment simple et léger. Обикновено една нейрографична рисунка се рисува между 2-3 часа. En général, un dessin neurographique demande entre 2 et 3 heures quand il y a un algorithme spécifique. В нейрографиката не само ние рисуваме. Dans la neurographie, il n'y a pas que nous que nous dessinons. Рисувайки, ние трябва да се самонаблюдаваме. Ah, pardon, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que ce n'est pas juste dessiner, mais pendant le dessin neurographique, c'est important de s'observer aussi, tout au long du processus. Това се изучава в курсовете, които ще провеждаме. Et le fait de s'observer, c'est aussi quelque chose qu'on apprend lors des cours, hein, parce qu'il y a en fait ce pas à pas tout au long. В нейрографичната рисунка много важна част и моята обратна връзка. Et dans le thème du dessin neurographique, il y a une partie très importante et ça c'est le feedback de votre instructeur. И който е бил до сега в уркшопите, които рисувахме за щастливи пари и за нова, как да планираме новата си година. Et ceux qui étaient avec nous lors des deux derniers ateliers, où on avait dessiné l'argent heureux et la planification de l'année 2023. Знаете колко още ценно за вас беше, когато ви направих моята обратна връзка. Vous pouvez nous confirmer, et vous le savez, combien c'était précieux aussi d'entendre le feedback par rapport à vos dessins. Mais tout pitot, il y a des questions. Alors, attendez. Martine Fourneau, question. Pourquoi le terme algorithme, ce n'est pas des maths? Alors, Morgane, qu'est-ce qu'un algorithme? Il y a un lien avec le thème ou pas du tout? Et Zebida, est-ce possible de mettre des bulles dans un espace? Значи, първият въпрос е защо говориме, за какъв е този термин алгоритъм? Това не е математика. Вторият въпрос от друг човек, какво е това алгоритъм? Има ли връзка с темата или въобще няма връзка с темата? И третия въпрос е, възможно ли е да сложиме кръгчета като мехурчета вътре в едно от пространствата? Алгоритъм в нейрографиката, така автора на метода нарича всяка техника. Alors, le terme algorithme utilisé par l'auteur Pavel Piskarev, qui est le créateur en fait de cette méthode, il appelle un algorithme chaque technique utilisée par rapport à un thème donné. Les pas à pas en fait qu'on va suivre est appelé algorithme. Тъй като тези алгоритми имат определен точен процес, през който аз трябва да ви водя. Un algorithme, ça veut dire que ça c'est un processus qui est très précis à travers lequel vous mène l'instructeur. Другия въпрос беше. Въпрос е какво алгоритъм има ли връзка с темата или въобще не? Алгоритмите са различни за различните теми. Par rapport à la question de Morgane, qu'est-ce qu'un algorithme? Est-ce qu'il y a un lien avec le thème ou pas du tout? Les algorithmes sont différents par rapport aux différents thèmes. Ето вижте колко са различни на различните теми алгоритмите. Regardez les deux dessins qu'elle vous montre. Ce sont deux algorithmes différents par rapport à deux thèmes différents. Et ils sont vraiment, ils se ressemblent pas. Et est-ce qu'on peut, attendez, est-ce que c'est possible de mettre des bulles dans un espace? D'aller voir un autre pour ça, c'est comment je suis, j'ai cru que
Да, може, но е хубаво да му предадете някакъв смисъл. Alors, Zebida, par rapport à votre question, est-ce que c'est possible de mettre des bulles dans un espace? Oui, vous le pouvez, mais c'est important de donner un sens en fait à cette bulle tout en la dessinant. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette bulle? На иероглифичната рисунка, всичко, което рисуваме, трябва да има някакъв смисъл. Et dans le dessin néographique, tout ce qu'on dessine doit avoir un sens. Et следующий вопрос, alors la question de Peg. Une fois qu'on se met à colorier, on ne peut plus rajouter des lignes. Когато сме започнали да осветяваме, можем ли да слагаме още линии или не? Да, току-що го направих. Oui, on peut rajouter encore des lignes et je viens de le faire. Alors, Karine, un dessin peut-il être réalisé en plusieurs fois? Може ли една рисунка да бъде реализирана на няколко пъти, направена на няколко пъти? Една тема определено рядко става само с една рисунка. Alors, Karine, un dessin, c'est rare qu'on puisse finir en fait le thème juste avec en le dessinant une fois. Зависи от сложността на темата. Ça dépend à quel point un thème donné est complexe. Затова имаме и различни алгоритми, през които преминаваме, за да може в различни аспекти да работим с темата. Pour cela, concernant une problématique, on peut utiliser aussi différents algorithmes qui vont représenter les différentes approches, les différents angles à travers lesquels on va approcher en fait le problème. Tiapita, Karine nous demande est-ce qu'elle peut commencer ce soir et finir demain. Tiapita, дали може днес да започне, пак да го свърши утре. Да, много хубав въпрос. Има едно правило, в което казваме, че може да рисувате само на една тема на ден. Тоест, тя иска, не може си Да, да да го чета разбрах. вечер. Alors, Karine, par rapport à votre dernière question, il y a une règle dans la neurographie qui vous dit que quand vous dessinez, vous pouvez dessiner un thème à la fois. Но може да си довършваме в следващия ден. Може една рисунка да я рисуваме няколко дни. Mais Една un тема. thème, on peut le dessiner sur plusieurs jours. C'est-à-dire que oui, la réponse est oui à votre question. Единствено правило много важно е да довършиме всичкото окръгляне. La seule règle qui est très très importante, c'est d'absolument de finir tous les arrondis. За да останем на подсъзнателно ниво, че вие сте хармонизирали всички възможни конфликтни ситуации преди да се случат. Pour donner cette information au niveau subconscient, que vous avez harmonisé tous les potentiels, tous les moments potentiellement conflictuels avant qu'ils n'arrivent. А на следващия ден може да отсветите рисунката. Alors que le jour suivant, vous pouvez colorier, par exemple. И който знае останалите стъпки да довърши до всички 8 стъпки са в които се изучават в курсовете. Et ensuite, s'il y a d'autres pas à faire dans un algorithme, il faut les finir tous. Il y a 8 pas en fait qui sont appris en général dans tous les algorithmes. И всяка стъпка отговаря на различно подсъзнателно ниво. Et chaque pas qu'on va faire à travers le dessin neurographique correspondrait à différents niveaux au niveau du subconscient. Всичко това се изучава в курсовете на кое ниво, какво се случва с вас по време на нейрографичното рисуване. Et tout cela, en fait, on va l'étudier lors de cours, c'est-à-dire à quel niveau on va agir sur quelle couche du subconscient à travers le dessin spécifique. За да сте наясно какво става с вас във всеки един етап от вашата рисунка. Pour être au clair, qu'est-ce qui se passe avec vous pendant chaque étape de ce dessin? Има въпрос, Мега. И когато се включи съпротивление, да знаете защо се случва. D'être conscient de ce qui se passe avec vous en dessinant et quand il y a une résistance qui va faire surface, de comprendre aussi pourquoi vous avez cette résistance qui se manifeste. Да, и сега въпроса. Alors, question de Martine, 8 pas, 8 étapes. Тя казва 8 стъпки, това са 8 етапа ли? Има 8 стъпки. Тоест има 9 нива, на които се не, учиш? 9 са курсовете, а Ага.
всяка една рисунка и съм, има 8 стъпки, през които трябва да преминеш. Тоест на тия 9 има всеки път по 8 стъпки. Да, в 9-те курса са за 9 различни алгоритми, а стъпките са за всяка една рисунка. Ah, ok. Excusez-moi, c'était la précision par rapport à cette question, la dernière. C'est-à-dire que chaque algorithme appris lors des stages complets comporte 8 pas. Il y a plusieurs algorithmes qui sont étudiés en 9 étapes, mais dans chaque algorithme, il y a 8 pas à suivre. Мога да разкажа за 9-те алгоритъма. Je peux vous raconter des choses sur les 9 algorithmes. Първият, изучаваме всички правила и принципи как работи този метод. Първия курс. Alors, lors du cours numéro 1, on va apprendre toutes les règles et tous les modes de fonctionnement en fait, de cette méthode. И 4 от най-използваните алгоритми. Et lors du premier stage, donc on apprend les règles, tout ça, et on apprend 4 des algorithmes qui sont les plus utilisés en absolu. А на български и на руски един от най-използваните алгоритми се нарича ASO. En langue bulgare et en langue russe, un des algorithmes les plus utilisés est appelé ASO. ASO е в съкръщение алгоритъм за за сваляне на ограниченията. En fait, c'est une abréviature du titre qui veut dire algorithme pour lever les limitations, en fait, les barrages à l'intérieur de nous. Това е алгоритъмът, с който започваме всяка една тема. Et en général, c'est l'algorithme à travers lequel on commence à aborder chacune des thèmes qu'on dessine pour lever les barrages par rapport à ce thème. С него все едно хващаме метлата и почистваме да премахнем всички пречки, които сме си поставили по пътя за разрешаване на нашата тема. Cet algorithme ressemble en fait au fait de prendre un balai pour balayer devant nos pas tous les obstacles en fait qui ne nous permettent pas de résoudre notre problème. В първия курс се изучава и алгоритъм за разкриване на намерения, въявление на намерения. Au niveau 1, on apprend aussi un algorithme qu'on va appeler l'algorithme pour révéler notre intention intérieure. Или алгоритъм, с който си задаваме въпроси и търсиме отговори. C'est l'algorithme aussi à travers lequel nous allons nous poser des questions et nous allons trouver des réponses. И това се изучава всичко в първия курс. Et tout cela, on l'apprend lors du cours numéro 1. Във втория курс учиме азбуката на нейрографиката. Lors du cours numéro 2, on va apprendre l'alphabet de la neurographie. Или как ние сами да моделираме това, което искаме да ни се случи в нейрографичната рисунка. On apprend comment modeler tout seul tout ce qu'on a envie qui se passe au sein de ce dessin neurographique. В третия курс изучаваме енергията на цветовете. Lors du cours numéro 3, nous allons étudier l'énergie des couleurs. И в следващите курсове изучаваме единия за взаимоотношения. Et lors des étapes suivantes, on va étudier tous les algorithmes qui concernent les relations avec les autres. Следващия workshop ще бъде точно на един от тези алгоритми за щастливи взаимоотношения. Et donc l'atelier que nous allons faire le 14 février va utiliser un des algorithmes qui est utilisé lors de ce niveau qu'elle vous explique. И имаме алгоритми, с които работиме за нашите цели, достижения и резултати. Et pareil, il y a des modes d'emploi, en fait, des algorithmes qui vont nous servir pour atteindre nos objectifs et tout ce qu'on a prévu, en fait, toutes les tâches et tous les souhaits. И имаме алгоритм, с който работиме с времето. Et nous avons un algorithme à travers lequel nous travaillons avec le temps qui s'écoule,
Pas la météo, mais le temps. Nous pouvons travailler avec notre futur, mais aussi avec notre passé à travers le dessin. Mais tout comme je dis, il y a une question pardon, de Martine. Combien de dessins pour régler un seul problème? Alors, Martine, il n'y a pas un nombre prédéterminé. Mais Meglena, dans son expérience, elle a dessiné une fois 7 dessins pour résoudre un problème, et ça, c'était le plus long en absolu pendant ces 5 ans pour elle. Et темата беше точно взаимоотношения с колеги. Et le thème en fait sur lequel elle avait travaillé, c'était la relation avec ses collègues à elle. И след като нарисувах 6 рисунки, в които исках да хармонизирам тези взаимоотношения. Et une fois que j'avais dessiné 6 dessins dans lesquels je voulais harmoniser les relations avec mes collègues. В седмата аз разбрах, че няма нищо какво да хармонизирам. Просто ние нямаме общи език. Et dans le septième dessin, d'un coup, j'ai eu la révélation qu'il n'y avait rien à harmoniser parce que justement, avec mes collègues, on n'avait pas du tout un langage commun. Но това, което е интересно, се случи и нейрографиката работи по много особен начин. Mais ce qui est très intéressant parce que la neurographie fonctionne d'une façon très particulière. Аз не трябваше нищо да правя, за да се да имам резултат. En fait, je ne devais rien faire pour avoir ce résultat-là. Il n'y avait pas besoin que je fasse quoi que ce soit, en fait. Да, не се наложи да ходя и да обяснявам на този човек защо не искам повече с него да работя. Il a pas, je n'avais pas du tout la nécessité et l'occasion d'aller parler à cette personne et lui expliquer que je n'avais plus envie de travailler avec lui parce que. А просто се случиха неща, които на цялата земя знаеме, се появи COVID-а и ние престанахме да правиме ателиета на живо. Simplement, en fait, les circonstances autour ont fait qu'on a arrêté de travailler avec lui ensemble. En fait, c'était la période COVID où il n'y avait plus des ateliers en présentiel et du coup, bah, je ne travaillais plus avec lui. Et много често нейрографиката точно по този начин се случват нещата ни. Просто се пренарежда всичко, за да бъде това, което е най-добро за нас. Et dans la neurographie, c'est exactement comme ça en fait que se passent souvent les choses. C'est un peu comme s'il y avait un concours de circonstances qui s'est réarrangé et qui allait dans notre sens en fait. Добре, да. Question de Karine, est-ce qu'on peut remplir avec de la peinture? Дали може с боя да рисуваме? В нейрографиката е прието да рисуваме с моливи и с фломастри. Alors, dans la neurographie, en général, il est admis communément qu'on dessine avec des feutres et des crayons. Виждала съм колеги, които рисуват и с акрилни бои. J'ai des collègues, en fait, je les ai déjà vus, ils dessinent avec des couleurs acryliques, je ne sais pas si c'est comme ça en français. Но тук целта е да не ни отнема вниманието от различни техники, а целта е да спазваме тези 8 стъпки, които бъдат на подсъзнателно ниво. Mais ici, au niveau du dessin neurographique, en fait, le but principal, c'est que notre attention reste sur ces 8 pas qui nous mènent vers la bonne direction. Et on est moins distrait par la technique qu'on va utiliser, hein, parce qu'avec la peinture, il y a le pinceau, il y a tout ça, il y a tout ça. Donc voilà. Затова когато напреднете и станете много добър в тези 8 стъпки. Et pour cela, quand vous aurez avancé, quand vous devenez vraiment un spécialiste concernant ces 8 pas qu'on fait dans la neurographie, oui, bien sûr, après vous pouvez dessiner aussi avec la peinture. Тогава може да почнете. Тук имаме въпрос. Зебидано ди, y a-t-il la possibilité de laisser juste du blanc
Enfin, c'est bizarre, mon dessin ne prend pas toute la page. Значи Забида казва, че дали може да оставим просто бяло някъде и после вика, ама много е странно, моята рисунка не е на цялата страница. Тоест не обхваща цялата страница. Това е хубаво, че тя го забелязва. На първия въпрос да отговоря. Да, бялото също е цвят и само правилото трябва да бъде отново две и повече от две форми. Alors, Zebida, concernant la première question, oui, le blanc est considéré aussi comme une couleur. Simplement, il faut respecter la règle des couleurs. Il faut que ça soit au moins deux formes qui comportent cette couleur, mais deux formes qui sont voisines. И втори отговор е, много хубаво, че е забелязала това и сега тя има възможност, ако иска, да изпълни целия лист. Alors, la deuxième, en fait, le fait que le dessin ne prend pas toute la page, Madeleine a dit que c'est très très bien que vous vous êtes rendu compte de ça. Et maintenant, vous avez la possibilité de remplir toute la feuille, c'est-à-dire que vous pouvez remplir cette partie qui est vide. Нейрографиката е метод, в който ние сме творци на това, което искаме. La neurographie, c'est une méthode dans laquelle nous sommes les créateurs de la chose qu'on souhaite. И можем винаги да правиме поправки на нашата рисунка, ако имаме такава нужда. Et nous pouvons toujours corriger notre dessin si on éprouve ce besoin. И нашите огледални неврони ще го отчетат, ако вие му предадете смисъл. Et nos neurones miroirs, en fait, ils vont prendre en compte cette correction si vous donnez un sens à cette correction que vous êtes en train de faire sur le papier. Точно това се изучава във втория курс, в който ние предаваме смисъл на всяка една форма, която се появява в нашата рисунка. Et cela, en fait, on apprend au cours numéro 2, où on va donner un sens à chaque forme qui va apparaître dans notre dessin. Но забележете, ние не рисуваме цветенца, сърчица, а рисуваме абстрактни форми. Mais vous voyez, on ne dessine pas ni des cœurs, ni des fleurs, on dessine des formes abstraites. Това е защото нашето подсъзнание разбира само от абстрактни форми. Et cela parce que notre subconscient comprend que les formes abstraites. И затова този метод е много достъпен, защото всеки може да се справи да нарисува тези форми. Et pour cela, cette méthode est très très accessible parce que chaque personne peut réussir et dessiner ces formes abstraites. И затова не е нужно да имате умения по рисуване. Et pour cela, il n'y a pas besoin d'être un peintre ou d'avoir des savoir-faire particuliers. Просто тези рисунки са начин, по който вие може да препрограмирате вашето подсъзнание. Simplement, ces dessins sont une façon à travers laquelle vous pouvez reprogrammer votre subconscient. И то точно това, което искате. Et le reprogrammer dans le sens de la chose que vous souhaitez, en fait, de résultats souhaités. Сега имам още една стъпка, само ще ви дам, защото тя аз лично много обичам и тя е много важна. Да нарисуваме вселенската енергия, която да ви помогне, за да разрешите вашия казус. Да, Мега, само тук има една, казва, че има тръпки и много се изморила. Може да остане и утре да продължи. Alors, si vous êtes très fatigué d'un coup, vous pouvez laisser le dessin à côté. Трябва да окръглите. Continuer. Demain, mais juste il faut arrondir tous les angles, c'est tout. Et puis vous pouvez continuer demain avec le replay. Et donc, Meglena, là, il nous reste un pas. On va dessiner l'énergie universelle, hein, l'énergie de l'univers qui va traverser notre dessin. Това е последната стъпка, аз мислих да не ви я давам, но тя ми е любима и затова ще ви я покажа. Voilà, je ne pensais pas que j'allais vous donner ce dernier pas, mais c'est un pas que j'aime beaucoup, alors je vous le fais voir quand même. Тя ще ви отнеме около 2-3 минути. Ce pas nécessite 2-3 minutes au maximum. Трябва да намерите една пътечка, която да я направите по-плътна и по-дебела. Ето вижте как тук сме намерили тази пътечка. Alors, sur votre dessin, vous devez trouver un sentier
que vous allez faire plus épais, plus consistant. Vous voyez sur le dessin qu'elle vous montre, qui est déjà fini, vous voyez, il y a une ligne en fait plus épaisse qui s'écoule à travers le dessin. Това е от уркшопа за щастливи пари. Това е енергията, която да ви помогне не само с ваши усилия, а и Вселената да ви помогне всичко това да се случи. Là, par exemple, le dessin que vous voyez sur l'écran, c'est le dessin, c'est l'algorithme de l'argent heureux. Et cette énergie universelle qui va traverser le dessin va vous aider d'accomplir en fait votre but, mais pas que avec vos forces personnelles humaines, mais aussi avec cette énergie qui est partout et qui nous entoure et qui traverse tout. И ето появи се на моя лист. Трябва да е плътна и дебела. Тя е с много по-голяма мощ, отколкото нашата енергия. Et voilà, sur ma feuille à moi, vous voyez apparaître cette ligne qui est plus épaisse, qui est comme une grande rivière qui s'écoule à travers le dessin. Et donc la ligne, elle est beaucoup plus consistante par rapport aux autres lignes. Mais vous pouvez continuer en fait sur les lignes, mais trouver la ligne de l'énergie. И трябва да преминава през листа като една река. C'est exactement comme une rivière en fait qui s'écoule à travers la feuille. Vous pouvez suivre en fait des lignes qui sont déjà existantes et laissez-vous guider par l'écoulement de la ligne. C'est elle aussi qui va vous guider par où passer. Но много е важно, ако някъде отново се появят остри ъгълчета, отново да ги окръглите. C'est très important quand vous allez tracer cette nouvelle ligne épaisse, si de nouveau il y a des angles aigus qui apparaissent quelque part, de les arrondir encore. Тук питате една, ако имаме вече дебела линия, която още от самото начало минаваше през нас, Супер! какво правим? Супер! Това е вашата линия на Вселената. Super, alors si c'est déjà une ligne épaisse, c'est votre ligne en fait de cette énergie universelle qui traverse. Alors Michel, la ligne doit-elle traverser dans le sens de la longueur ou pas? Дали тази линия трябва да е в хоризонтална, вертикална, отляво надясно или как трябва да е? Няма значение, важното е да премине през листа. Alors Michel, peu importe, le plus important c'est qu'elle traverse en fait toute la feuille. Après le sens, c'est à vous de décider dans quel sens. Така оставаме на нашето подсъзнание програма, че не само ние ще положим усилия всичко това да се случи. Comme ça, nous laissons à notre subconscient un message qui n'est pas que nous avec nos forces. Qu'on va tendre vers l'accomplissement de ce qu'on souhaite, mais qu'on a une grande aide. Но и Вселената ще ни помогне. Mais aussi l'univers va nous aider, que vous pouvez appeler autrement aussi, hein, selon vos croyances. Но има и едно, още едно, по най-добрия начин за нас. Et l'univers va nous aider de la meilleure façon pour nous. Който не винаги отговаря на това, което ние искаме. Et cette façon d'aide, en fait, cette aide qui est la meilleure pour nous, ne correspond pas toujours exactement à la façon dont nous souhaitons cet accomplissement. Защото Вселената гледа по-отдалече и знае кое за нас ще бъде наистина, наистина най-добро. Parce que l'univers, il nous regarde de plus loin, et il nous englobe, et il voit le tout, et il sait ce qui est vraiment le mieux pour nous. И когато се доверите, че и Вселената ви помага, Et quand vous allez avoir cette confiance en vous que l'univers, l'énergie universelle vous aide aussi, тогава живееме много, много по-щастливо, защото знаеме, че всичко около нас се случва, защото така трябва да бъде. alors notre vie devient beaucoup plus heureuse parce qu'on est dans la conscience que autour de nous, dans nos vies et autour, tout ce qui se passe est juste. Но ние сме казали в каква посока искаме това да се случи. Mais à travers le dessin, nous avons donné la direction générale. On a dit, on veut aller vers là. Не живееме по течението, а ние сме тези, които управляваме нашия живот. Nous ne nous laissons pas porter par le courant, comme ça, mais nous sommes en train de ordonner aussi notre vie.
И се смята, че нейрографичната рисунка ни помага да създаваме нови невронни връзки, които през нощта се пренареждат. Et on considère que le dessin neurographique nous aide à créer ces nouvelles connexions neuronales qui, pendant la nuit, se réarrangent encore plus. И когато сутринта се събуждам, просто знам отговорите на моите въпроси. Et quand le matin je me réveille avec un savoir, je sais les réponses de mes questions au réveil. Поне при мен е така работи този Pour метод. Moi, chez moi, ça marche comme ça. Mais tout cas, dans le cas où je se изморила. Може, може да се създават невронни връзки, също не е лесно. Peg, c'est normal aussi un gros coup de barre parce que créer des connexions neuronales, c'est pas facile non plus. Ça demande de l'énergie aussi. Но има значение какво точно е нарисувала, затова в workshop-а аз ще ви давам и след това обратна връзка какво можете още да поправите, за да се случи наистина по добре. Mais c'est important aussi la façon dont vous avez dessiné et la chose que vous avez dessinée. C'est pour ça que nous faisons les ateliers. Dans les ateliers, il y a toujours ça, il y a l'atelier du dessin. Et ensuite, une semaine après, il y a le feedback de Meglena, c'est-à-dire qu'elle va analyser le dessin et va vous donner encore des conseils et va pointer les zones du dessin qui... que vous devez encore peaufiner. Voilà. Сега искам да кажа и относно патентоването на нейрографиката и първия курс ви учиме вие сами да ползвате метода само за свои нужди. Alors, j'aimerais bien vous toucher quelques mots sur la méthode d'elle-même. C'est une méthode qui est absolument brevetée. Et lors du premier cours, donc on va... Mais bon, je suis pour toi, le premier cours, c'est quelque chose de sérieux. Premier cours, vous vous обучавате de poser la méthode seulement pour vos besoins, seulement pour les personnes. C'est-à-dire que quand vous allez apprendre les étapes, les algorithmes des cours, en fait du cours 1, c'est un apprentissage qui est pour vous personnellement, pour votre utilisation personnelle. Във второто ниво на изучаването на нейрографика вече можете да се научите и можете да получите право да ползвате метода в свои практики. Et au niveau suivant, le cours 2, vous pourriez, si vous le souhaitez, aussi avoir accès au droit, on va dire, d'utiliser cette méthode dans vos propres pratiques professionnelles, c'est-à-dire en consultation, etc. И чак в третото ниво може да се научите като метод да преподавате този метод. Et ce n'est qu'ensuite que vous pouvez apprendre comment devenir instructeur et puis enseigner comme je l'ai fait moi avec vous. И сега имам за вас една съвсем топла новина. Et j'ai pour vous une nouvelle qui vient de tomber, vraiment presque juste avant l'atelier en fait. Буквално преди 3 дни автора на метода Павел Пискарев. Ah oui, donc c'était pas juste avant l'atelier, mais c'était il y a 3 jours, l'auteur de la méthode qui est monsieur Павел Пискарев. Да, каза, че можем да организираме френски курс за специалисти по нейрографика. Il nous a donné le feu vert pour utiliser pour organiser pour les Français un cours qui donne en fait le droit d'être, ils appellent ça spécialiste en neurographie, c'est-à-dire utiliser la neurographie dans vos propres pratiques professionnelles. Затова, ако някой от вас иска нейрографиката да превърне в своя професия. Pour cela, si parmi vous il y a des gens qui voudraient utiliser la neurographie en tant que profession, може да се свържете с френския ни организатор Ева и тя ще ви даде по-подробна информация. Vous pouvez donc de nouveau recontacter Eva Beltan et vous aurez une information plus détaillée par rapport aux étapes. Но за всички останали нейрографиката се започва да се изучава от първия курс. Mais pour tous les autres, la neurographie, on commence à l'apprendre à partir du cours numéro 1. Който при вас го организираме март месец.
qui, pour la France, est organisée au mois de mars. Donc, c'est Eva, toujours l'organisateur. Moi, je suis le traducteur. Et Meglena enseigne. Това е курс, в който вие ще се научите как сами да си помагате с този метод. Et lors de ce cours 1, vous apprenez comment tout seul, pas comme ça en groupe, pas avec Mega, comment seul utiliser la neurographie pour vous aider quand c'est nécessaire. Ние го наричаме нейрографиката, че е метод, в който ние се само коучваме, сами си помагаме. En neurographie, on va appeler ça avec le mot auto-coaching, c'est-à-dire une aide où on va s'aider soi-même. Затова, ако между вас има коучове, ако има психолози, терапевти, този метод е много подходящ. Et pour cela, si parmi vous il y a des gens en fait qui sont des thérapeutes, des psychologues, des coachs, etc., cette méthode en tant que technique annexe est très très adéquate. Подходящ да работите с вашите клиенти. Pour travailler avec elle, avec vos clients. Защото вярвам, че вече всички усетихте как въздейства този метод. Вие се отпускате и почвате да рисувате както като деца, безгрижно сте рисували. Je suis sûre que maintenant vous avez capté, vous avez dessiné comme les enfants, c'est-à-dire sans souci, sans prétention. Et ça ramène une relaxation, le fait de dessiner comme ça. И затова мене този метод много ме привлече, защото не само съм творец, но мога и с тези рисунки да си помагам във всяка една област от живота. Et pour cela, cette méthode m'a attirée parce que je suis aussi peintre, et pas seulement peintre, pour créer en fait des dessins, mais je peux m'aider concrètement à travers ces dessins dans tous les domaines de la vie. А когато разбрах, че по този начин мога и да показвам всичко това на много хора, това определено направи живота ми много, още много по-щастлив. Et quand j'ai appris aussi à partager ça avec beaucoup d'autres personnes auxquelles j'enseigne, ça a fait aussi ma vie beaucoup plus heureuse. Mais tout que peut-être, d'aller manger ce dyslexique de ça, de se rabattre sur cette méthode. Да, аз самата имам дислекция и определено това върху мене много добре се отрази. Alors, par rapport à la question des enfants dyslexiques et dysgraphiques, Meglena a dit oui, parce qu'elle-même, elle a la dyslexie. Elle trouve que sur elle a eu un grand profit, en fait, bénéfice par rapport à ça. Alors, y a-t-il un lien avec l'épigénétique? Qui m'a dit, voilà ce que ça c'est épigénétique? Moi, je suis au revoir, je suis au s'il y a d'autres Ами, все още не мога да отговоря. Те първо, това е нов метод, който е от 8 години и все още се развиваме и все още откриваме много, много, много неща. Как точно работи нейрографиката? Michel, par rapport à votre question, est-ce qu'il y a un лien avec l'épigénétique? Meglena, elle dit qu'elle ne peut pas répondre exactement parce que la méthode de la neurographie, c'est une méthode qui est relativement nouvelle. Elle a été mise en place il y a 8 ans et ils sont en train de découvrir en permanence encore des couches et des couches et des profondeurs et des hauteurs en fait de ce que ça fait chez les gens. Personnellement, ce n'est pas la réponse de Meglena. Je pense que oui. C'est peut-être pas 100%, mais l'épigénétique, c'est je vais dire, tout ce qu'on va vivre de l'intérieur, tout ce qui vient de l'extérieur aussi. Donc, s'il y a des mouvements intérieurs, forcément, il y a un lien. Voilà, je ne sais pas si on a bien répondu, mais on va dire que c'est une méthode, en fait, qui est nouvelle et qui se découvre au fur et à mesure. Ние затова се радваме на всеки специалист, който се обучи да ползва нейрографиката в своята сфера. Това е ценното, че тя може да бъде приложена в там, в където вие сте професионали. Et nous sommes très heureux à chaque fois quand il y a des gens qui deviennent spécialistes et qui peuvent aussi appliquer cette technique dans leur propre domaine, là où vous êtes des professionnels, parce que c'est une source aussi d'information, c'est une source de transformation et on découvre ensemble en fait tout ce qui ça fait.
Alors, par rapport, Karine, par rapport à tout ce qui est organisation, date, prix, tout ça, vous allez voir ça avec Eva. Donc, Eva qui organise tout, elle va vous donner toutes les infos. Est-ce Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport à ce dessin? Alors, le dessin de Meglena touche presque à sa fin. Alors, j'aimerais bien un peu le retour de votre part. Qu'est-ce qui vous a plu lors de notre rencontre d'aujourd'hui? Тук те питат защо отново драскаш отгоре, защо рисуваш пак. Това е много хубав въпрос. Pourquoi les redessines de mon Zavida? Меглена ди, c'est une très bonne question. Това е много важно в нейрографичната рисунка, защото ние искаме тя да стане толкова красива, че да остане в нас много добро впечатление. C'est-à-dire que dans le dessin neurographique, notre but, c'est qu'elle devienne si belle. Plus elle est belle, plus elle laisse une impression en nous. Което нашето подсъзнание го възприема, че ние така сме хармонизирали темата, по която работиме, и тя така се е трансформирала в нещо толкова красиво. Et notre subconscient va avoir cette impression que le thème que nous avons dessiné s'est transformé en quelque chose qui est très très beau, très harmonieux. C'est ça en fait, c'est comme un écho à l'intérieur de nous. Ето това е, на което аз ви уча, как да трансформирате на листа хартия вашия казус, така че вашето подсъзнание да го приеме, че то е истина и след това това се отразява и в реалния ви живот. Et ce que nous apprenons, c'est comment, à travers le dessin, transformer le cas en fait qu'on a soumis. Et on peut voir aussi après comment ça se réalise aussi et comment ça se transforme dans la vie réelle. И това е, когато вашия инструктор е и художник, аз ви давам още хитринки, как всичко това да стане. Et quand votre instructeur est peintre, comme je le suis, moi je vous donne encore des détails, encore des astuces, comment le dessin peut devenir encore plus beau. Защото аз ви давам не само методиката и психологията, но и тънкостите на моя занаят. Parce que ce qu'on partage avec vous, ce n'est pas que la technique, que le côté psychologique en fait de cela, mais aussi, aussi les astuces de mon métier, qui est le fait d'être peintre en fait. Merci, merci pour vos retours dans le chat. Je pense que là, je ne vais plus traduire les questions. Hein, parce que sinon, on n'a pas fini encore longtemps. Mais je dis que je n'ai pas de réponse parce que le temps est passé beaucoup. Добре, добре. И аз го чаках да кажеш. Може вече да даваме думата на Ева. Alors, on peut donner la parole à Eva. И всички въпроси да ги отнасят по-нататък към Ева. Voilà, et si vous avez des questions, vous pouvez les transmettre à Eva qui va les transmettre à Meglena. А който иска на мене да ми задава въпроси, нека да заповяда на нашия workshop за щастливи взаимоотношения. Et ceux qui ont envie de continuer à apprendre avec Meglena et d'avoir des réponses aux questions qui surgissent, eh ben on vous invite à notre prochain atelier qui est sur le thème de dessiner les relations heureuses. Или направо да се запише на курса. Ou venir directement au cours qui a lieu au mois de mars. Merci, merci à tous. Merci, спасибо, Meglena. Merci, Desislava, pour la belle traduction. Et je vais vous souhaiter un très, très bon week-end, bonne soirée et peut-être à très bientôt. Au revoir, tout le monde. Ciao, Mega. Merci, merci, ciao. Merci, merci à vous trois. Merci. Merci, merci. Au revoir. Merci à Eva pour le travail aussi. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir.